précédemment dans Mass Effect. Non, je ne sais plus du tout où on en était. J'avais fait un nettoyage de mon inventaire et j'avais équipé mes coéquipiers hors live pour que vous n'ayez pas à supporter ce genre de choses pendant les rediffs d'épisodes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a beaucoup d'affectations pour ce qui est des quêtes secondaires. Faudra peut-être qu'on s'en occupe, un de ces quatre aussi. Et là, on a Cap sur Virmir, rendez-vous sur Virmir pour y rencontrer l'équipe galarienne ou course contre la montre, trouver le canal. Donc Artemisto et Virmir, je pense que dans tous les cas, il faudra qu'on fasse tout ça. Féros Noveria, Artemisto. D'accord, d'accord. Bah, j'aimerais bien faire Artemisto avant de faire Virmir. C'est parti, mon kiki. Quittons Féros. Alors. Mais Virmir est à côté en fait. Allez. C'est parti. Y a rien d'autre dans cette... D'accord, c'est une galaxie qui ne comporte qu'un seul système. Commandant, un message urgent du PC. Je transmets. Shepard, ici l'amiral Hackett, du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seul pouvez résoudre. Ouais. Que voulez-vous que je fasse, amiral? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Vous voulez dire que cet ordinateur est devenu autonome? Ah putain, c'est... Nous ne sommes pas stupides, Shepard. Resident Evil. Il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle, pas d'une IA. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Nous avons observé les procédures légales. Mais les IV sont essentielles à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Incroyable! Traverser la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. C'est la seule solution? Vous ne pouvez pas la désactiver à distance? Nos garde-fous n'ont pas fonctionné. L'IV opère en circuit fermé, elle n'a donc aucun accès aux systèmes externes. Mais nous ne pouvons pas non plus accéder à ses fonctions. D'accord. Bien sûr, nous pouvons lancer une frappe orbitale, mais la base serait irrémédiablement détruite. Mm-hmm. Nous préférons envoyer quelqu'un désactiver le noyau. Vous, en l'occurrence. Moi? Mais pourquoi? Je sais que les spectres sont aux ordres du Conseil, mais vous êtes humaine, avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance, et nous avons besoin de votre aide, immédiatement. D'accord, et c'est où? L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance. J'ai pas suivi, c'était dans quelle base? C'est à Virmir qu'il faut que j'aille? Pichour. C'est bien, il n'y a pas grand chose à scanner.
Virmir est un monde éloigné mais luxuriant, idéal pour les espèces à base de carbone. Ses vastes océans et sa position à l'intérieur de la zone habitable circumstellaire, ont donné naissance à une large bande de terrain tropical humide au niveau de l'équateur. Malheureusement, l'instabilité politique des systèmes terminus voisins a freiné les efforts de colonisation. Les risques accrus d'attaques de pirates et d'esclavagistes font de Virmir un endroit inhospitalier malgré lui. Très bien. Ouh, il y a de l'orage. Qui qu'on va prendre? Je prendrais bien. Yarus et Rex. Ça va picoter. Commandant, je capte un signal. Ça doit être notre équipe d'infiltration galarienne. Visez un peu ces tours de défense. Larguez le Mako, on fonce dans le tas et on s'en charge. Je vais vous faire passer sous leur radar, commandant. Oh, ils ont balancé mon Mako à la flotte. Champ libre, commandant. Restez hors de portée et continuez les manœuvres d'évitement jusqu'à ce que j'aie éliminé ces tours anti-aériennes. Je connais la procédure. Je vous retrouve au camp quand les tours seront HS. Terminé. Les tours. Très bien. Bon, ça fait quelques jours que j'ai pas joué. C'est à tuer ça ou pas? Ouais, les ennemis sont dessus. Ça n'a pas l'air hostile. Alors je le touche pas. Et si je le touche. Bon, j'ai eu du mal, hein, mais je l'ai touché. D'accord. En fait, c'est qu'on a énormément d'ennemis sur la minimap, mais. Oups, pardon. Il va y avoir du monde. Caché ce truc là, non? C'est bon. Wow! Sur quoi j'ai roulé, pardon, excusez-moi.
Échec de la sauvegarde rapide. Why? Pourquoi tu veux pas? Ah, il veut pas. Bon, il ne veut pas. Je vais faire ma sauvegarde rapide. Waouh! C'est qui tire? Bon, j'aimerais bien voir ma cible en fait. Puff. Ah d'accord, tu tournes que en avançant, tu tournes pas en reculant, c'est très bien. Mais tourne-toi, con de truc! Évidemment. Bon, c'est un endroit où tu peux pas sauvegarder, donc j'ai bien compris. Le Mako. C'est bon ça? C'est tout mort ici? Toujours pas droit à la sauvegarde rapide. Eh ben c'est bien. Ah oula! C'est quoi qui m'a touché? Blablabla! Les gars, va falloir qu'on avance. Pipi pipi pipi, je prends tout. C'est bon, on a eu tout le monde. Eh ouais.
putain, j'aurais dû prendre Tali. Est-ce que je peux pas revenir avec Tali? Sauter trop tôt. Boum. Ça y est, il a fini son ragdoll ou voilà. Il y a quelque chose qui m'a tiré dessus d'en face. Le souci étant que je ne vois pas d'où ça tire. Le but ou quoi là? Bon, attendez les gars. Voilà. Voilà. Ça va bien. Qu'est-ce qu'on va avoir par ici? Dans l'autre sens. Ouh là là. À chaque fois, je retombe en plein dedans et mon Mako est mort. Allez, ça recommence. On est reparti. Ah.